Violent combat en Ukraine autour de l'aéroport de Donetsk. La bataille pour le contrôle de cet endroit stratégique, véritable point d'accès à l'Est séparatiste, fait rage. L'armée régulière a envoyé ses avions de combat et a parachuté des troupes pour reprendre l'aéroport investi par des insurgés quelques heures après la proclamation de la victoire de Petro Poroshenko à la présidentielle dimanche. Le site a été pris d'assaut sans violence dans la nuit. Les hommes de l'autoproclamée République de Donetsk ont demandé aux troupes ukrainiennes de partir. Ils n'ont pas opposé de résistance. L'aéroport a été évacué et fermé. Tous les vols ont été annulés. Les autorités ont vite organisé la riposte, bien plus violente. Les combats ont duré toute la nuit et se sont poursuivis tout au long de la journée ce lundi.